Yippee-ki-yay! Et donc, nouveau stream, nouveau shmup, avec aujourd'hui, non, pas de boulettes. Alors, je suis désolé si vous aviez préparé les spaghettis et autres pâtes et spécialités italiennes pour pouvoir utiliser à foison ces boulettes que vous aviez accumulées depuis tous les shoots que vous parcourez. Aujourd'hui, on va jouer avec des saucisses. Pourquoi avec des saucisses? Bah, tout simplement parce que c'est le nom du jeu que nous allons joyeusement parcourir. Salut, Dogstorm! Je vous avais prévenu, hein. Donc aujourd'hui nous allons avoir une pluie de deuil. La tempête de boulettes géantes, c'est fini, on est passé à autre chose. Un petit jeu sorti dans les années 90, 96 pour être précis, c'est écrit. On va regarder la gueule que ça. Le jeu en lui-même ne fait pas partie des incontournables du shmup, mais dispose d'assez de charme pour qu'on s'y intéresse sérieusement. Bon, je vais juste baisser un peu le son du jeu parce que sinon je vais être obligé de hurler et hurler ça n'est pas trop dans mes choses favorites. Voilà le bestiole. Allez, plutôt que d'en parler, on va le parcourir, ce sera beaucoup plus simple. 9 crédits, je sais pas jusqu'où je vais aller avec ça. On verra bien. Bonjour. Alors, comme d'habitude, le petit tir, mais une subtilité et pas des moindres, si vous gardez le bouton tir principal appuyé, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Oh, il va me tirer dessus! Mon dieu, il vient droit sur moi! Donc, si vous gardez le bouton tir appuyé une fois que vous avez récupéré des bonus, ça ne marche pas. Bah, vous avez un méga tir qui se déclenche. Bon, bien entendu, on a toujours les méga bombes sur le tir next, donc je vais faire voir le tir là. Là, ça se concentre, et là, alors, est-ce qu'il y aurait tromperie sur la marchandise? Moi, je dis oui, parce que, sauf erreur de ma part, vous voyez avec moi que je tire des boulettes, je ne tire pas des saucisses. Donc, je suis super emmerdé là. Un strip mensonger comme ça, de bon matin un samedi, je plaide coupable, totalement. Un des gros avantages de ce petit shmup bien sympa quand même, et très très jouable, c'est d'être dans cette génération des... Tu parles ou tu joues? Non, je parle, ok. C'est d'être dans cette génération où le scrolling était renforcé avec une taille d'image, enfin une taille de map plus grande que ce qui est affiché. Qui fait que vous pouvez scroller un peu sur les côtés pour essayer de choper des bonus et booster votre score. Sinon, le jeu en lui-même n'a pas inventé le tir. Tout ce qu'on retrouve là-dedans, ce sont les bonnes vieilles recettes qui ont marché sur 1942, L-Tiger et compagnie. Donc, vous attendez pas à avoir un révolutionnaire. Mais bon, on va. Alors j'espère que ça s'entend pas trop, mais j'ai pris froid, je crois. Mais on s'en fout. Ok. À moi la classe. Je pense que les vieux retards du shmup qui connaissent celui-ci sur le bout de doigt doivent s'éclater à faire du scoring. Il y a vraiment tout pour rendre la vie agréable et facile. Oh mon dieu, mais ne serait-ce pas un boss. C'est nouveau, c'est prêt. Allez, saucisse dans ta gueule. Ah non, mais j'ai dit que c'était pas pour déconner. Sacherait. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. T'as raison. Vas-y. Quoi, je me suis jeté dessus. Alors. Donc, mon excuse habituelle, c'est pas ma faute. Le jeu est émulé beaucoup plus rapidement que la bande d'arcade originale. Je trouverai toujours des prétextes. Bon, il en demeure pas moins que ce petit hotdog de Storm reste fichtrement jouable, malgré l'âge. Très agréable.
Et j'ai un film qui a essayé. Alors je sais pas s'il est sorti sur des. S'il a été réédité sur des machines récentes. Là bien entendu on n'est pas de la littérature. Non. Donc la vie est beaucoup plus facile sûrement, puisque par le pouvoir du crâne nucléaire. Et c'est tombé, tu vas voir. Alors c'est entamé pour mourir à cette tournée. Transformant la bombe. Oh! Oh, quelle erreur! Faut prévenir, monsieur, qu'on fait des patterns comme ça. C'est un peu vif, hein. C'est ça. Casse-toi, pauvre lâche. Oh, tu vas essayer de te guider, c'est pas sympa. Lui, il est du genre. Pouvez-vous pas rester en dessous, quoi? Que j'ai. Mazel. Je crois qu'on va pas aller super loin, mine de rien, avec la famille. Est-ce que je jouerai mal? Je ne m'engagerai pas sur cette voie, cher ami. Ne sais-je pas trop réveillé? Ah oui, ça, je suis pas du matin, je vous confirme. Alors, le problème pour le tir chargé, quand même, c'est qu'il demande bien 1, 2, 3, 4. Ouais, pas 25 secondes, on va l'activer. Donc, souvent, vous vous mettez dans des situations trop périlleuses, bah, tout seul comme un con. Parce que vous voulez absolument utiliser ce tir et. Vous n'avez pas le temps de charger. Donc, toi, tu vas prendre une bombe sur la Zamat. Si tu continues, comme on dit. Hop là. Ah, ça y est, ça commence à devenir un peu tendu. Non. Ils sont vifs, le tir quand même, les petits gars. Hé, les gars. Les gars. On va voir, être sympa un peu, là. Ce que je considère dans ce titre, c'est niveau défaut, il a un petit défaut, c'est la visibilité qui est pas terrible parfois. On a quand même pas mal d'éléments. Et ils ont beau avoir fait les efforts de les rendre distincts, il y a des fois c'est quand même de la bonne purée de pixels. Ce qui est donc encore un nouveau prétexte pour faire des fails et ne pas arriver à faire un one click. Vous l'avez bien compris. C'est du gros. Les roses, normalement, pour les cancels. Pas les lasers, mais les boulettes. Oh, pardon. Alors, le truc passe quand même, Schmoff, c'est. C'est quand le boss en face te fait une petite lumière pour t'annoncer que. Il reste en dessous, là, c'est mal. C'est le vieux truc classique, mais ça marche toujours, c'est trop mignon. Allez, s'il te plaît. Bon, oula. Je crois qu'on va passer au dessert. Allez, c'est parti pour la séquence boulette au drone. Oula. Je suis où? Monsieur. Méchant. Hot Dog Storm, ce jeu n'est pas moche, hein. Il est. En fait, c'est l'exemple même du jeu moyen, qui est donc passé totalement anodin au milieu d'autres titres qui étaient plus populaires, et qui démérite pourtant pas qu'on lui jette 2-3 pièces quand même, parce qu'il est sympa. Il fait son job, ça passe le temps, on joue rapidement, les parties s'enchaînent, il n'a pas de défaut majeur. Peut-être cette visibilité. J'avais un peu, par contre, c'est. Est-ce qu'il me remet? Bah oui, il me remet à poil et j'ai mes bonus présents sur l'écran. Donc tu avais déjà ça, donc équilibré. C'était pas le fameux coup de oh tiens, quand je meurs, je repars totalement à poil. Ce qui est particulièrement pénible dans les chemins faits par les amateurs. Et on va prendre les deux côtés de l'écran et les deux tirs, c'est plus donc ça.
quand même arriver jusqu'au deuxième boss, les gars. Ce serait sympa, non? Parce que ça va vite. Alors, les gens, si vous avez un système pour ralentir une émulation, je suis assez preneur. C'est quand même assez problématique dans les streams et sur les shoots, ça se voit énormément. Il y a certaines émulations où il faut avoir des pouvoirs de mouton pour arriver à anticiper le tir et se déplacer et se mettre au bon endroit. Et celui-ci m'en a pas eu bien, parce que je pense que niveau vitesse, il carbure un poil plus que la version originale. Ça a mal fini. Ça finit toujours mal de toute façon, franchement. C'est vrai. Oui. Putain, le salaud. Comme il a dit. Non. Dégage. Allez, on va faire un peu de ménage là. Un moment, on s'est bien amusé, mais il faut que ça cesse. Ouyaï. Bon, il n'est pas avant en bonus, c'est ce qui est cool. C'est fait quand ça sort à peu près. On se calme, les gars. Oh, mais il m'a mis des shields. Alors, les différents bonus sont pas mal, je les maîtrise pas là, parce que vraiment ça se voit. Apparemment, il y en a certains qui vous font un shield comme un méga tir qui devait être super pratique. Allez, un petit peu de ménage. On va mettre ça propre. Bon, ils sont chiants, les cuisines qui restent et qui remontent. C'est assez fréquent de se les prendre par derrière. Direct bonjour, tu vas regretter d'être né. Oui, je vois, mais effectivement je regrette, hein. J'aurais préféré de pas, parce que quand je vois ça fait avalanche de bullets, enfin des saucisses on va dire aujourd'hui, je pense que j'ai un gros problème pour gagner. Alors le bon truc aussi, c'est qu'on voit bien, c'est le vieux shooter old school, puisque il mémorise votre emplacement et tire bien là où vous étiez, donc si vous ne bougez pas, non, non, vous êtes mort. Mais du coup, vous pouvez vous en servir pour attirer les tirs, comme d'habitude, à un endroit qui vous paraît plus opportun pour être heureux en manœuvre, faire d'autres choses, genre de laminer la gueule. C'est bon, ça se passe mal. Verra-t-on le troisième boss? Le suspense est insoutenable. Tout ça en seulement 6 crédits. Sur l'arcade, quand même, le but du jeu, c'est de faire des DPS. Mon dieu, que ça va vite. Ça va beaucoup, 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 beaucoup vite, les amis. Heureusement que le vaisseau vif, lui aussi, qu'il accélère également, mais c'est pas très humain, tout ça, moi, je pense. J'aime pas ce truc rouge, défile-moi le vert. Le vert. Je vois même plus mon vaisseau de fin. Ça va barder. Niqué par la petite tourelle, si ça c'est pas dégueulasse. Vite des sous. On va le faire surtout. Gentil. Ah non, j'ai jamais le faire en fait.
pâte de nuit pour faire un méga un tir concentré. Je suis un peu dans la. Je suis complètement dedans d'ailleurs. Il est pas radin sur la boulette. Hein. Ah la saucisse, pardon. Yata. On prévient qu'on revient des côtés comme ça, les gars. Je sais pas, tu mets ton pignon, ton un truc comme ça. Attention, faites aussi. Ah, il est bien le tir vert. Le tir vert, c'est le meilleur. Les autres sont tous minables, on peut pareil. Ah, par contre, le temps de chargement, ouais, c'est 25 secondes. Donc, c'est juste dramatique, en fait. Oh, il me reste du rouge. Suite. Ça, c'est check. Ouh, toi, tu n'es pas un ami. Tu n'es pas un ami, petit truc qui s'accroche. Et ça se voit bien. Oh là 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 là, je vais regretter. Là, je vais des gros regrets. Un gros regret dans ma gueule, déjà, et bien. Je vais mettre un gros regret ici. Hein. Tiens, bon, j'ai du bon bastard. Il veut pas crever. C'est incroyable ça. Il est incroyable. Et il s'est mis à crever. Tu es méchant, toi. Tu es très méchant. Je pense qu'on ne restera pas amis. Je vais juste éviter, hein. Ça va bien se passer, au début. Après, voilà. Là, on est en mode... je suis plus dedans. Lui, ne veut pas crever, bien entendu. Donc, je crois que je vais le bomber jusqu'à ce qu'il finisse par céder. Dame, qu'est-ce que j'ai vu mal aujourd'hui. Puis, je suis en mode pour faire voir le jeu, les gars, d'accord. Je ne suis pas en mode pour vous faire voir. Ah, comment il faut scorer. Parce que je crois que ce serait le pire exemple que vous ayez pu voir de la semaine. La vitesse des tirs. Il faut vraiment anticiper ses déplacements. Ils vont quasiment deux fois plus vite que mon vaisseau. Une fois et demi, d'ailleurs. Et du coup, ça revient. La jouabilité sur une émulation un peu rapide, un peu tendue. Ah, on fait le bonus. On va voir le troisième boss, puis on va arrêter par là, hein. On aura fait le tour. Quelle horreur. Mais quelle horreur dramatique. Tu es gros toi. Je suis content d'avoir eu mon bouclier sur ce coup-là. La vache. Mais j'arrivais à le terminer en moins de 3 crédits. Le suspense est total. Eh ben, ah non. C'était trop beau. Bon bah je bouge plus de là, là je suis bien. C'était une fausse joie. Rends-moi mes bonus, s'il te plaît. Ah le tir du milieu, je l'adore. Je me mets bien en face et bim. Alors faut que je repère quand même mais comment quand il déclenche le tir rouge là, je suis un peu anticipé parce que là j'ai l'air trop ridicule. J'y vois plus rien. Lui on a cassé mes lunettes, je ne vois plus rien. Non mais il va me faire réellement 3 crédits pour démonter ce boss. Je ne m'excuserai même pas hein, pour ça. C'est aujourd'hui ou non. Je vous fais voir ce jeu. Je ne vous fais pas une leçon magistrale de. Jeu de boulettes, sinon j'aurais pris un truc que je connais par cœur. Oh là là, comme je l'ai démonté facile alors, et de la main droite. Les connaisseurs comprendront ton œil. Bon, on va jusqu'à. On épuise le dernier crédit là. Et puis on passe à autre chose.
Donc si vous avez l'occasion de jouer sur ce titre, foncez, c'est vraiment sympa. Ce sera rigolo de parcourir et découvrir les nombreux patterns maléfiques qui sont contrôlés dans ces entrailles. Si vous avez à choisir entre ce jeu et un autre, comparez bien, parce qu'il n'est pas incontournable, mais il est super bien fichu, quoi. Il y a assez de variété, le gameplay est bien fichu. Dois-je répéter que il est un peu trop rapide sur mon émulation? Non, c'est bon ça, vous avez compris. Ok. Wally Walou, Hot Dog Storm, 1996. Du pixel fait en 2D avec beaucoup d'amour, des patterns encodés avec générosité. Ce jeu a donc tout pour avoir plus que la moyenne. On se retrouve pour un autre stream qui parlera absolument de tout sauf des mouettes et des goélands. Très bientôt. Je vous fais des bisous, je vous laisse sur cette formidable musique. Je vais marquer mon initial par pure fierté gratuite avec tous ces crédits que j'ai cramés dans la machine. Et même pas les petits symboles à la con. Voilà, à tout bientôt, mes piquets.